건물을. 吠える魔も変形の隙も与えることなくユピーの自由を奪う圧倒的な初動の差。キルアのカンムルは自身の肉体に電気の負荷をかけ潜在能力の限界すら超越する動きを強制する技である。キルアはこれを性質上大きく2つに分けた。自分の意思で肉体を操作する電光石火と相手の動きに感応して自動的に肉体が働く疾風陣雷。先の戦いで敵のダーツを止めた動きがまさに後者である。あらかじめプログラムした攻撃が敵の害を示すオーラの揺らぎに反応する。脳の命令を省き反射のみで繰り出される限界を超越した攻撃は容易に敵の肉体の動きを追い越した。疾風陣雷。Salut à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo gros plan. Aujourd'hui on est parti sur Thunder God Killua, ou plutôt Killua Dieu du Tonnerre. Vous l'aurez compris, je l'avais annoncé dans la précédente vidéo qui était sur Meruem. Le suivant sera Korutopi les amis, parce que c'est un tank extrêmement fort, que ce soit en début de jeu ou en endgame. Voilà, tout simplement. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ici on va infliger 600% de son attaque, voilà, brut, c'est intéressant, on s'en fiche. Sur l'active skill, alors chaque fois que Thunder Killua va attaquer l'ennemi, donc il va attaquer l'ennemi en front lane hein, 3 fois, il va additionner des dégâts sur tous les autres ennemis, donc il va faire 4 hits, hein, le premier hit, les 3 premiers hits pardon, sur le tank et un dernier hit sur tout le monde. Voilà, infligeant 780% de son attaque, chaque attaque inflige des trous dommages additionnels, équivalent à 7,9% des HP max des ennemis. Voilà pourquoi il est utilisé en PvE, voilà pourquoi il est utilisé aussi en PvP, surtout si vous l'avez Awaken. C'est extrêmement fort les amis, 7,9% des HP max, extrêmement fort en Event Arena, extrêmement fort à Meteor City sur Evogin, etc, etc. Hop, on va aller sur le passif, chaque attaque va additionner une réduction des HP max des ennemis équivalent à 38% des dégâts infligés. Donc si vous infligez 100 000 points de dégâts, ou plutôt 1 million de points de dégâts, vous allez retirer 380 000 d'HP max sur les ennemis. Ce ratio-là n'est pas healable, hein, vous l'aurez compris. Ça les détruit, c'est l'érosion si vous voulez sur Dofus, tout simplement. Et ici sur son Awaken, si l'ennemi a une speed en dessous de la nôtre, on va infliger 48% de dommages en plus et on va recevoir 48% de dégâts en moins. C'est extrêmement fort, ne serait-ce que pour la réduction, 48% les amis, ça divise par 2 les dégâts reçus et 48% de mort dommage, bah vous multipliez, parce que c'est les dommages hein, qui sont pris en ratio, hein, c'est pas son attaque ou quoi que ce soit, donc c'est bien les dommages. Si vous infligez 1 800 000 sur Evogin 21, vous allez infliger 2 500 000 à peu près, la vue de tête comme ça, voilà, directement 2 700 000 disons, de dégâts. Donc c'est extrêmement fort, mais il coûte extrêmement cher à Awaken. Pourquoi? Parce que le tout premier Awaken va vous coûter 2 pupettes à la place d'une. Là où normalement c'est sur le palier 4 hein, de l'Awaken, on vous demande 2 pupettes. Là c'est directement sur le tout premier Awaken qu'on vous en demande 2. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc Thunder God Killua, au niveau des cards, alors vous allez voir, ça va passer à l'écran. Je vais vous montrer plusieurs runs de dégâts. Les tests ont été faits exactement au même moment pendant le combat. J'ai juste lancé voilà, Pito, puis etc. pour que j'ai justement Thunder God Killua en active skill directement sur la lineup, sur la support lane, pardon. Donc voici les dégâts sans card. Voilà, donc on fait du 1 850 000 à peu près, sans card les amis. Voici maintenant les dégâts avec du coup critique. Voilà, on perd des dégâts avec du coup critique. Ça ne sert à rien de mettre du critique sur Thunder God Killua. Est-ce que ça change en PVP? En tout cas en PVE c'est très clair, c'est très très clair. Ne lui mettez pas de crit, ça sert à rien, vous perdez des dégâts. Tout simplement. Et avec le runage maintenant que vous pouvez voir maintenant, Golden Dictionary True Dommage, on va gagner à peu près 50 000 de dégâts. Voilà, et vous infligerez plus de dégâts avec le système de Golden Dictionary qui vous permet de faire des trous dommages sur le ratio de 780% de son active skill. C'est ce qui vous permettra de faire plus de dégâts en PVP. Ça, c'est une certitude. Voilà. Maintenant, il faut voir si critique aussi, c'est peut-être mieux en PVP. En tout cas, une chose est sûre, en PVE, c'est de la merde, les amis. Donc, c'est un personnage qui est jouable sans card. Voilà, dès que vous l'avez, vous le jouez. Faut juste le passer 6 étoiles pour augmenter justement le ratio dans ses skills hein, de 7,9% des HP max des ennemis équivalent au trou dommage que vous allez infliger.
Mais voilà, donc le mien il est comme ça. C'est pas parce que j'ai essayé de le focus ou quoi, c'est des cartes qui étaient en fait dans ma poubelle, entre guillemets, dans ma box. Et ça me servait à rien, donc je les ai placées ici pour augmenter simplement son attaque et augmenter un petit peu les dégâts. Mais encore une fois, c'est inutile, les... inutile. Jouer le sans cartes, c'est pareil, hein, très clairement. Voilà, donc sur son awaken, on va gagner de l'attaque pourcentage, on va gagner du critique, on s'en fiche du critique, et on va gagner de la speed. Donc encore une fois, il faut faire des tests en PvE, PvP, hein, moi en tout cas, mes gros plans sont surtout basés sur le PvE, vous l'aurez compris, et jouez le sans carte, quoi, vous prenez pas la tête. Alors sur son item collection, on va infliger des dégâts en plus, hein, 10% de dégâts en plus sur les ennemis ayant le plus d'HP en face. Voilà, donc les tanks, généralement, ils vont prendre 10% de dégâts en plus, tout simplement. Ici, vous essayez de maxer Crystal Fader, hein, très clairement, pour augmenter l'attaque en flat. Mais encore une fois, c'est pas intéressant, vous avez pas besoin, vous avez pas besoin, laissez tout à zéro. Hein. Le focusez pas, laissez tout à zéro, ça reviendrait exactement au même, les amis. Voilà, et ici sur le Nen, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir Restore 1,5% des HP après avoir tué un ennemi, donc 15% au maximum. Ça peut être intéressant en PvP, mais c'est énormément de ressources pour rien, quoi. Véritablement 15% ça fera pas la diff. Et ici quand ta stat attaque est plus grande que celle de l'ennemi de 50%, tu vas causer des dommages en plus de 12% tout en bas. On peut même descendre, je pense, à 15%. Voilà, tout en bas, mais malheureusement on peut pas le voir. Donc 15% de dommages en plus, hein, si vous avez une attaque supérieure à celle de l'ennemi de 50%, c'est totalement faisable, hein, sauf sur les knockers d'en face, évidemment, vous l'aurez compris. Voilà, donc Thunder Code Killer, voici les stats qu'il a, je lui ai maxé son attaque encore une fois, donc il a à peu près 22 000 d'attaque, ça change absolument rien, laissez-le à 0 d'attaque, hein, ça reviendrait exactement au même. Voilà comment ça fonctionne Thunder God Killua, voilà à quel moment vous devez absolument le focus dans l'histoire, sur votre compte, c'est quand vous avez vos deux boosters ATB, déjà montés, Awaken à peu près max, Awaken 4 minimum, que vous ayez Paristone dans votre team, un tank équivalent Razor, Meruem, Cortopi bien monté, vous pouvez partir sur Thunder God Killua, il vous fera faire des step-up assez haut dans la Even Arena et dans l'étoile filante, ou plutôt Meteor City, tout simplement. Hop, et on va directement partir sur les breakthroughs. Alors c'est une bonne chose de le breakthrough, hein, ne serait-ce que pour augmenter son level skill gap encore une fois, et on va regarder si les breakthroughs vont apporter des choses déterminantes. Alors on a la détermination, à chaque fois qu'on va attaquer, il y a 70% de chance de réduire les dégâts encaissés de 15% quand on se fait attaquer, excusez-moi. Rage, encore une fois, ne l'utilisez pas, mais si vous attaquiez, chaque critique hit que vous allez infliger a 20% de chance de restaurer 3% de vos HP, peut-être très 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 loin dans le jeu. En PVP, pourquoi pas, avec justement la régène de 15% quand on va tuer un ennemi, mais encore une fois, c'est pas ouf. Et quand on va recevoir des dégâts, il y a 50% de chance d'augmenter le crit resist de 25%, donc c'est plutôt tourné sur le PVP, vous l'aurez compris. Sur le B2, Brutal Force, à chaque fois que cet hunter va utiliser son active skill, il a 50% de chance d'augmenter son attaque de 20%. Mignon, mais encore une fois, sans carte, c'est la même chose. Et électrique en dessous, à chaque fois que cette Hunter va utiliser son active skill, il y a 20% de chance d'augmenter ses crits de dommages de 70%. Si encore il faisait plus de dégâts en critique, pourquoi pas, mais c'est pas le cas. Focus, ça peut être intéressant. Voilà, on va infliger 8% de mort dommage sur les Hunter défensives. Ça c'est plutôt bien. Puis en B3, Thunder Killua va utiliser son active skill sur un ennemi, à chaque fois qu'il va hit un ennemi, pardon, il va gagner 50% de chance de réduire la rage de 12%. PVP, voilà, tout simplement. Retardance inflige 20% de mort dommage sur les ennemis avec accélération. Situationnel, ça peut aider. 20% c'est quand même beaucoup. Et rejection réduit les dégâts reçus par les hunters offensifs de 15% PVP. Donc le paralyzing et le rejection pour PVP, pourquoi pas. Surtout la réduction de rage, moi ça me plaît beaucoup parce que c'est à chaque hit, les amis, c'est pas à chaque activité, c'est vraiment à chaque hit. Donc il va faire 4 hits sur le tank adverse, il va en faire 1 sur toute l'équipe. Il peut perma réduque rage et avec Meloron, etc. impossibiliser. Enfin paralyser totalement la support lane adverse. Mais bon, encore faut-il que ça passe à travers les immunités, j'imagine que oui, faudrait faire des tests. Voilà, je pense qu'on a fini. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, c'était plutôt court, hein, Thunder Killua, il n'y a pas grand chose à dire à part qu'il fait des dégâts monstres sans card. Vous pouvez mettre le petit pouce bleu comme d'habitude, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le prochain gros plan sera sur Cortopi. Et puis je vous dis à la prochaine, c'était Lacunabi. Ciao!